We need desperately a ceasefire that could allow humanitarian help to enter into Gaza. Otherwise, the tragedy will be incommensurable. Well, it is already incommensurable. This weekend has been one of the bloodiest days. More than 100 Palestinians being killed by attacks that include distribution centers of UNRWA and other UN organizations. And then you see it has been this report from the Human Rights Chief of the United Nations explaining the violations of human rights by both sides, but the consequences are incommensurable for the civilians in Gaza. The risk of this war affecting the south of Lebanon and spilling over, it's also every day bigger. La situation continue à se dégrader de jour en jour malgré les appels au cessez-le-feu. Il faut absolument que l'Union européenne prenne tous les leviers qu'elle a en main pour forcer les parties prenantes à cesser les hostilités. À l'heure actuelle, il y a des blessés, des morts, des femmes, des enfants chaque jour. Des otages sont toujours détenus, donc il faut absolument qu'on avance sur un processus de paix, sur une négociation qui doit mener à la mise en œuvre de la solution à deux États.